Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour nos aventures mercenariales sur Jag Alliance 3. On est dans la zone du Rust et on va essayer de gérer avec Bastien et sa famille, je mets des guillemets, même si vous ne le voyez pas, et puis on va essayer de prendre le bunker, le tout en un seul épisode. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. De plus, pour ceux qui sont tentés et qui en ont les moyens, qui ont envie de soutenir la chaîne, les Super 5 ainsi que les souscriptions sont disponibles sur la chaîne. Le lien en description. Allez, c'est parti, on va commencer par se rendre par ici là. Où traîne Bastien et sa famille en fait. Voilà, il nous a bien mené en bateau. Hein. C'est pas des enfants, hein. C'est juste une bande de voyous, hein. Du moins à première vue. Voilà, hein. Des enfants qui portent des fusils, des calages, des trucs comme ça. Non, 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 c'est pas une famille ça. Allez, directement. Ah oui, il y a des trucs ici. On ira récupérer ça après. Pour l'instant, on va aller voir Bastien. Ah ouais, comme de par hasard. Hein. Oui, ta grande famille. But I'm sure our friends here are willing to help pay for our hospitality. After all, they saw little Miss Emma and her rich friend. I'm thinking they gave you money, no? You don't want to be selfish and let my poor family starve. Non, nous ne sommes pas des égoïstes, absolument pas. Hospitality does not fill stomachs. Your money, now. Quelle hospitalité? That's right. I showed you hospitality by letting you visit my shack. Now you have to pay for accommodation plus interest. Wait, what shack? Ah, it's actually just a lean-to. Not like I stash things there or something. Il planquait des trucs comme des diamants? Huh? Stash? Hey, you've been holding out on us. No, I would never. Non, il vous cache juste des trucs. Perhaps you have forgotten all the diamonds you showed us? Voilà, exactement. I thought so. I knew he's been stealing from us. Get him, boys. Merde. Ça c'est cool, on a gagné un petit peu d'XP. Ça c'est nice. On prend et on effectue une petite sauvegarde. Il y a peut-être des choses d'ailleurs là. Let's go. On va aller voir ça. Yes. Donc on va aller récupérer ça. Oh, armure lourde. 26%, par contre, c'est naze. On va la mettre de côté, on la réparera. 50% de réduction de dégâts. Ça, c'est fat. Du coup, on va revenir ici, alors. On a déjà... de quoi faire un peu de médecine. Voilà. Ici, il y avait quoi? Des pièces détachées. On va prendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici, là? Non? Ok, on peut passer par ici. On avait vu tout à l'heure. Hein. Si lui, on pouvait le planter. Enfin, le planter. Faire en sorte qu'il meure. Hein. De ce côté, là aussi. Hein. Jusqu'où il vient lui. Il vient assez long, pas si loin que ça. Alors on va commencer par ici, là. On va récupérer, bah oui, on récupère les plantes, hein. On va commencer par celle-là. Voilà. Alors,
va tenter un truc. Avec Deadeye. Surtout que maintenant, il a la capacité de faire 5% de critique à chaque visée. Du coup, ok, 13%, 17% de critique. Raté. Non, ça le fait pas. Clairement pas. Alors, par contre, il n'y a pas genre des trucs qu'on peut faire exploser. Ça avait pas l'air. Je suis sûr qu'ici il y a plein de trucs. Mais ce qu'on va faire, on va essayer d'y aller de l'autre côté. Allez, vas-y, investigue. Très bien, ça. C'est pareil, pourquoi ils veulent prendre? Voilà, tu me prends. Parfait. Est-ce qu'il y aurait des choses ici? Ouais, des plantes. Là, non. Ok, là, on récupère ça. On peut prendre ça. Barry peut en prendre une. C'est pas déconnant. Keep it real. Voilà. Ready. Je sais pas si s'il vient pas dans le coin. Ah oui, là tu seras vu. On va essayer de faire ça comme ça. Pas t'approcher plus. Ok, toi j'ai envie de t'éliminer. Yes. Surprise. Ah. Donc non. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas venir là. Et enfin, toi. Tu vas venir comme ça. Fin de tour. Ok, tout le monde a été vu. Ou peut-être une petite grenade là. Barry, t'en as 10 des grenades.
Franchement, j'ai trouvé ça plutôt efficace. J'ai pas assez de PA par contre. Joli petit critique. Toi. Ah, tu ne vois personne. Un point en agilité. Oh, je t'avais pas vu. Parfait. Donc là, on vient d'en éliminer 3. Il y en a encore 2. L'attaque ne peut pas traverser, perforer l'armure. Raté. Reste MD. Est-ce que je peux pas faire un truc comme ça? Il me reste Ice également. Lui, ça sera pareil. Ça comme ça. Non, on va se mettre comme ça. Parce qu'ils sont quand même à une grosse distance. Hein. Il y a beaucoup de choses qui obstruent. Voilà, la ligne de vue. Oh mince. Ça, c'est abusé. Suppression, pas cool. J'apprécie pas trop la blessure quand même. Hein. Ok, ça c'est fait et bien fait. Ice. Tu vas venir là. Ça, c'est fait et bien fait. Alors, suppresse. Qu'est-ce que ça fait? Jusqu'à la fin du tour, moins 4 PA. Ce personnage ne peut pas attaquer les ennemis par le flanc, d'accord. Michael here. Hello. Changer ça, ouais. Mais. Allez, c'est toi qui va y aller. C'est raté. Ready to do stuff. Toi, tu vas venir là. Can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. C'est raté. Du coup, je veux que tu viennes te cacher ici. J'ai pas envie que tu reprennes les dégâts. Ok. Il veut bien qu'on le tue, mais il veut pas se rendre. On va essayer ça. Plutôt joli. Tu vas venir ici. Sérieusement? Il n'y a pas besoin de grand chose. Enfin, ça rate. MD present. Allez,
Là, ça devrait passer quand même. Franchement. Non, tir unique. Dans le buffet. Voilà. Bon, je suis dégoûté que Deadeye ait été blessé. Livewire, il a pris. Elle a pris, pardon. Un niveau, donc ça c'est cool. Alors, c'est notre mécanote mécanicienne. C'est notre mécanicienne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner qui soit utile? Dextérité, elle est sympa. Adresse, agilité, c'est... Bon, à part l'adresse qui est un peu juste. C'est pas terrible même. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner? Tu gagnes du crit, évidemment. Majeur pour le désarmement, le rechargement d'armes. 15% de dégâts en plus pour les ennemis flanqués. Élimination furtive ratée. C'est pas utile ça. Dissipe la couverture et la localisation. Ne provoque pas d'interruption. Aucune pénalité de dégâts pour les tirs dans les bras et les jambes. Ça, c'est pas mal. Hein. On va faire ça. T'as combien en sagesse ? Oui, 94. La sagesse, oui. Avertissement critique, ça peut être pas mal. Non, ça sera pas pour toi. Résilience, morale élevée au début du combat. Coup imparable, les coups dans les jambes appliquent l'effet renversement. Dans les bras, torpeur. Et les tirs à l'aine, exposition. Ça, on voudra. Ça ira très bien avec les malus qui s'enlèvent. Alors il faudrait qu'on soigne Deadeye à cause de sa blessure, mais on fera ça plus tard. Alors il y en a quand même un qui avait quelque chose. Super. C'est pas fou hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller piller ça. Ah, d'accord. Illumine une large jaune. Chance de mauvaise manipulation. Silencieux. Je vois pas bien l'utilité de ce truc. I do not know what it is, but we should probably take it just in case we need it. Ok, dispositif piratable, on va aller s'en occuper. Est-ce qu'on l'a aussi où on veut fouiller? Allez, petite sauvegarde comme d'habitude. On sauvegarde souvent, hein. Renseignement obtenu sur le village dernier en H2. D'accord. Pas super pertinent, hein, puisqu'on a déjà pris le village. Qu'est-ce qu'on a là? Louis. Antoine. Gaspard. Gunther. Rudolf. Oh. Une relation longue distance. Augmente l'adresse.
pour Deadeye. 30% de réduction des dégâts. Qui n'a rien? Tout le monde a quelque chose. On va le garder, on va se le mettre de côté. Et on prend les médicaments. Alors, tac, tac, tac. Tu es où, Deadeye? Ton adresse, tu as 86. Donc si on regarde, normalement, centre d'assistance, temps et trajet, repos, blessure, avantage, caractéristiques, l'adresse. Détermine la capacité de mercenaire à tirer avec précision sur n'importe quelle cible. Ouais, toujours plus de précision pour toi. Hein. Voilà, plus un point, c'est très bien. T'es le sniper, donc il faut que tu loupes le moins possible. Ouais. Deadeye, tu viens récupérer ça. Trois plantes. Hans, d'accord. On va fouiller ça, évidemment. On va fouiller le reste d'abord. Heinz. Heidrich. Test de sagesse réussi. Ce n'est pas un nom. Mais quelque chose est enterré en dessous. Oh. Explosif. Évidemment, c'est pour Barry. Alors, Ice. Ça et voilà, très bien. Barry, tu vas lire le petit bouquin. Plus encore en explosif, t'es à 95. Bah, je pense qu'aucun explosif Hello. Ne te retiendra. God give rest to their souls. Alors, qu'est-ce qu'on a? Test de mécanique échoué. Okay. Oh, adresse, ça c'est encore pour Deadeye. Des grenades. Ici. Ok, sympathique ça, fusil. Toi aussi tu pourras avoir un fusil, hein. T'as de bonnes stats. Portée 20. Portée réduite et très bruyant. Réparation nécessaire. État médiocre. Tu vas prendre ça. Que t'es ça. Hein, quoique non, parce qu'on n'a pas énormément de munitions. Faut bien penser à ça aussi. Hein. Cependant, on va se le mettre de côté. Et on peut peut-être les démonter du coup. Yes, on va les recycler. Hein. C'est pas foufou, mais bon. On en a un d'un. Ok, on va recycler. Ok, ici. On n'a pas forcément énormément de munitions. Look at this. This is bad thing. We are doing sin. Donc ça c'est fait. All right, all right. Donc maintenant il faut qu'on rentre dans le bunker. Donc on va y aller comme ça et en mode discrétion. Je sais pas si ça va être pris en compte la manière dont on rentre.
on va voir ça. Ouais. Voulez-vous vraiment aller dans le souterrain? Bah oui. Alors, bunker. Un souterrain, les ennemis dans l'obscurité sont plus difficiles à repérer. Les attaques à distance à leur encontre subissent une pénalité de visée réduite, sauf à bout porte. Très bien. Ah, ok. Oh, y a deux gars. Eyes here. Mettez-vous comme ça, ouais. Shit. There's an enemy over there. Voilà. What? On va sauvegarder. Non, non, tout le monde se met en mode fufu. Ouh, tu peux déjà l'allumer. On va tenter. C'était totalement raté. J'ai envie de dire bravo. Tu vas venir là. Ouais, une rafale dans ta tête. Abusé. Toi. Des trucs comme ça. I will move silently. Good position to shoot. Non. Ready. MD present. Moving. Stat. On va se mettre comme ça. Ouh, le gros foirage. Il a pris tellement cher. Il a pris une blessure. J'ai pas assez de PA. No clear shot. Ça, franchement, je l'avais pas anticipé. Tout ça, c'est parti du foirage de l'autre. Ready to do stuff. I think I can, you know, get him. Non, ici. C'est pas possible. À chaque fois, il foire. Hein. C'est possible d'être mauvais comme ça? Yes. Ok.
Je viens devant toi là. Non, inacceptable. Comment tu peux foirer à cette distance là? Non, on va relancer le déploiement là. Franchement. Non, franchement. Il n'y a pas de... Honnêtement, je trouve ça abusé. Mais vraiment. Voilà. Adresse, ok, dans le noir. Vision nocturne, toucher la tête, entraînement. Non, non, ça franchement... Non, je suis désolé. Hein. Deux fois de suite à cette distance, avec les stats qu'on a... je comprends pas. Là, faut qu'on m'explique. Hein. Gilet flak. Bah voilà. Je veux dire, là ça passe et c'est propre. Honnêtement, je comprends pas. Hein. Avec les stats, avec les capacités, non. Non, non, il y a des fois le jeu fait des trucs un peu aberrants. Hein. Mais bon, on évitera quand même de recharger comme ça à outrance. Mais là, c'était tellement abusé, même à bout portant. Avec des pistolets de base, ça devrait au moins toucher. Je suppose qu'il y en aura encore plein derrière la porte là-bas. Mais MD prend un niveau. MD, ok, il aime pas les animaux. Faible chance d'éviter. Ah, ça c'est bien. On va le mettre à l'entraînement lui. Alors, confère 25 points à un allié en appliquant bandage. Morale élevée. Est-ce qu'il a beaucoup de sagesse, lui? 94, ouais. Position couchée gratuite. Maximum de PV. Élimination furtive, rechargement. Déplacement libre. Ah. Attaque successive contre la même cible. Bonus de précision encore plus élevé. Oui, ça pourrait être bien. Restore 20% de PV en plus avec les bandages. Ok, on va plutôt faire ça pour commencer. J'aime bien le bonus de précision. On va plutôt faire ça. On prendra le bonus de précision après. Ok, on va venir fouiller dans le coin.
Ok, ouh, il y a des choses. Tu peux pirater. 1000 balles. Nice. Des choses ici, là. Non? Bon, très bien. Et ici? Non plus. Pas de piège. Yes. Qu'est-ce qu'on a? Un kit de crochetage. Oui, ça nous en fait 3. Bonus de visée augmenté. 7,62. 7,62 standard. 7,60. Oh oui. Oh oui, oui. Alors, Dedai. Tu vas décharger et recharger avec du match. Parfait. MD. Pareil. Voilà. On est très bien comme ça. Maintenant. Ready. Toi, tu restes sur ton truc. Je vais te mettre comme ça. Barry Unger. Barry, c'est très bien. Et toi, t'es très bien aussi. Je vais recharger. Non. Il reste pas beaucoup de balles. Hein. Il faudrait qu'on en trouve quand même. Hein. Ok. Ok, alors là, dans le genre, bonjour, j'ai fait n'importe quoi, ça se pose là. A bêtement attiré, mais vraiment bêtement. Hein. Toi, tu vas venir là, parce qu'au pire tu balanceras une grenade. Hein. Ice. Bon, bah. Voilà. Okay, we'll do. Tu vas venir ici. On va terminer le tour. Ok, le premier y est passé. Le deuxième aussi. Et toi, t'as vu tes deux potes se faire tuer, tu t'es dit, ah, je vais peut-être pas y aller, hein. Ready to do stuff. Got it. I'll shoot at anyone I see. On va refaire la même. Hein. Je trouve que c'était plutôt une réussite. Tu vas venir ici. Hello. Presently in a tent. If you need me, allez, tu restes caché. Idem. Là, ils seront obligés de vraiment de monter. Ouais, là ils prennent cher. Ok. Ok, ça tire. Alors toi. Oui. Alors là, faut que tu comprennes bien. Tu vas mourir. Non? Des rafales pour ça comme résultat. Michael here. Ready to shoot.
Non. Pas sur toi, sur toi. Yeah. Same thing keeps happening to me. Barry. I have good odds of hitting enemy. C'est hallucinant. Ready to do stuff. I think I can, you know, get him. Voilà, merci. Quand même. Ah oui, toi, t'as plus de munitions. On va faire ça. Ouais, mais j'ai plus rien là. Oh, j'espère qu'il va pas y prendre. Touche pas, touche pas, touche pas. Aïe aïe aïe. Il a encore pris une blessure. Bon, venge-toi alors. Hein. Plus de munitions. Tir unique dans la tête. C'est hallucinant. Voilà, tu viens là. Voilà, le premier y passe. Et le deuxième y fois, évidemment. I will do. 5. Enemy has good visibility. Next time you're shopping, you should purchase some apples. Okay. And maybe some sugar-coated almonds. Bon, ça avait très très bien commencé avec les enfin, ça avait mal commencé parce qu'on engage le combat sans le vouloir, mais après notre snipe fait très très bien le boulot sur les deux premiers. Let's bounce. Non, non, tu ouvres la porte. On voulait que tu fouilles le gars en fait. Ah, sympa ça. Jambière flac. Pas. Ok, 9%. C'est mieux ça. Et des 7,62 traçantes pour fusil d'assaut. Les ennemis touchés sont exposés et perdent leur avantage de couverture. 88%. Tu décharges et tu prends tout. Ice here. Du coup, tu peux recharger. Hello. Live wire here. MD present. Ready. Ok. On est pas mal là. What? On va descendre. Et on va voir ce qu'on trouve dans ce bunker. With certainty. Hold up. Check this out. Alright, alright. Let's see what we found. Alors déjà là-dedans, munitions, très bien. On prend tout. We're moving. We're moving. Should we take? Wait, isn't that an enemy over there? Ok, alors. What's up, player? Yes. Ah, Dead Eye. Tu vas plutôt passer par là. Sure. Voilà. Il y en a deux. Affirmative.
Let's get them. Je suis dégoûté. Intruders! Alarm! Target locked. Aucune blessure. Oh, 103. Ça fait quand même beaucoup. Michael here. MD. Non. Presently in attendance. Non plus. Eh, c'est pas vrai, il va encore y prendre. MD present. Moving. Stat. On my way. On va faire quelque chose comme ça. How can I assist? I will go presently. Live wire here. Please don't shoot me, please don't shoot me. On va faire ça. Ça n'a pas suffi. Ah si, parfait. On a eu chaud, hein. On a eu très très chaud. Du coup, alors on reprend notre groupe. Oh, très très chaud, mais ça valait le coup. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chevrotine, calibre 12. Ah, un double canon. Ah, ça peut être pas mal, hein. Dédail incorporé. Non. Ça sera plus pour MD. Ok, on prend tout ça. Ready to do stuff. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Alors ça, on va le démonter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 mm subsonique. Bruit réduit pour les 9 mm. Du 7,62 autant. On prend. Voilà, on en manquait, donc c'est bien, on en trouve. Ah, lentille. Pour notre fusil de snipe, on va pouvoir faire quelque chose, je pense. On n'a rien d'autre? Non. Dédail. La modifier. Yes, on peut faire une lentille. Niveau de visée supplémentaire. Bonus important de chance de critique pour les attaques avec 3 niveaux de visée ou plus. Il faut une puce. Si votre première action est une attaque, elle compte comme étant visée 3 fois. Ah ouais. Hmm.
Bonus important de coup critique. On va plutôt faire ça. Voilà, parce que c'est souvent le cas. On met souvent 3 niveaux. Donc j'ai envie d'avoir un bon gros coup de critique. Ready. Let's move. On va tester ça. Sure. Bon. Ouais, j'aimerais bien. J'espère qu'il n'y a pas d'autres ennemis. Hein. Non, non. Ok, normalement c'est bon. Quelqu'un vient récupérer ça. Si je me mets comme ça, ce sera plus simple. 100%, ok. Alors toi, on va te recycler malheureusement. Tout le monde a 2 armes. Donc c'est bien suffisant. C'est peut-être là, alors. Test de sagesse échoué. Sérieusement? Sagesse 94. Voilà, réussi. Déjà connu. Dommage. C'est sur la côte d'Emeraude. Et la MG42. Dédaille. Tu me lis ça. Et on va prendre la MG42. Parfait. Sure, we'll get there. Du coup, on va pouvoir repartir. Direction le village pour rendre la MG42. Soigner Dedai aussi. Et peut-être faire. Oui, on va faire un peu de rafistolage de matériel. Ah, t'as trouvé quelque chose. Sure. Allons-y. Pièce détachée. Je prends, hein. Parfait, 4 pièces. Nice. Et du coup, on va pouvoir repartir. On peut partir directement en vue satellite. Donc là, c'est bon, il n'y a plus de bouclier. Dans le prochain épisode, on pourra s'occuper des frelons jaunes. Je confirme. Alors, vue tactique, parce qu'on va aller discuter. Ici. Alors, salut Basile. I hope you can spare it. We could sure use it to keep those legion types away. La mitrailleuse est à vous. Now that's a hell of a weed whacker. A little grease in the tripod, and it'll be ready to keep those legion types from sprouting up again. Goodbye, my friends. Oui, au revoir. Ah oui, elle est installée là, du coup, hein. Ah, si on l'avait eu tout à l'heure, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'utiliser nos grenades. Barry. J'ai hâte que tu me fasses une nouvelle arme. Une nouvelle grenade. Goodbye, my friends. Let's bounce. Ok. Donc, on va lancer des opérations.
Traiter les blessures. MD. Dedai. 19h. Ok, on commence là-dessus. Réparation d'objets. Avec Barry également. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va réparer? Ça, ça fait 11h. Ça suffira pour tout de suite. Voilà, c'est vraiment histoire de... les flingues à la limite, même pas. ...13h15, allez. Et ça fera... ça prend pas plus de pièces. Hein. Ok. On n'est pas encore arrivé au bout de nos contrats. Alright. That is finished. I am ready. Ok, c'est réparé. Pédail est soigné. Allons-y. Oui, bah je valide le déplacement. You're here. I mean, at this particular sector and all. Et on pourrait s'occuper de ça. Après la prise du fort. Hein. De l'avant-poste. Ok, très bien. Du coup, on va passer en vue tactique, pardon. Voilà, c'est parfait. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, eh bien, on ira prendre d'assaut à l'avant-poste, voir ce qu'on peut faire, hein. Qu'on va y trouver, la difficulté, la configuration. On verra tout ça dans le prochain épisode. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez. Vous savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.